Histoire, c'est une racine sans bout. Parole, tout c'est l'ouverture. Mesdames, mademoiselles et messieurs, est-ce qu'on rappelle, avant même Duvalier, t'es quitté pays, hein? T'es gué un groupe Ongan, li t'es réuni dans le palais national. Et Ongan, ça, yo, t'es expliqué, après le fin qui t'es tête pays, hein, qui ça qui pourra le passer? Malédiction sous pays, hein, et combien de temps ça apprend pour pays d'Haïti arriver libéré? Gen un journaliste qui relait Hardy Jean Gardi, dans l'époque ça, t'es jeune petit garçon dans 20 ans, t'es gen chance assister ensemble avec séance ça, bien que yo pas de quitter l'entrée dans grand salle là, mais t'es gen yon responsable yo qui t'a expliqué tout ça qui t'est passé. Mesdames, mademoiselles et messieurs, eh bien, citoyen ça, a fait gros révélation, expliquer tout ça qui t'est dit, tout ça qui t'est fait, l'esprit qui t'est monté, et combien de temps qui restait pour Haïti libéré? Parce que, je ne j'en dis, nous capables, dans quelle situation pays a trouvé? Râler chez ou chita, ou prendre le temps de causer, oui. Bagaille en pile, et yo bouleverser l'esprit. Déjà, m'a dit, mettez vêt de l'eau disponible. Restez là. Ce ministre Berto Danse qui a fait causer dans la République. Oh my godness. Femme dit, ou? Ministre a débarqué dans la ville au Cap. Rive dans restaurant la caille pendant la manger gen deux jeunes petits garçons cap gadel dans yeux ministre anti Jean estomaqué gentil proverbe créole l'a dit assassin toujours suspect s'entendé a li pral prendre des petits messieurs li mette yo dans prison ou peut-être ça seulement mais si gen moun ki pou pata ka gade moun nanje c'est ministre Berto Danse c'est pas vrai parce que lui-même il te mette dans prison déjà pour drogue. Et la Maria est tellement belle pour lui, lui fait changer nom. Mais, qui s'est passé qui fait, depuis deux semaines, Izo prend contrôle parquet, ministre justice là, pas jamais pointé douette lui. Même gade le pas gade bandi yon nanje, et puis c'est au cap là, le pose action comme ça. Mesdames, mademoiselles et messieurs, m'bra l'expliquer ou, gentil proverbe créole l'a dit, dent pourri, ge force sous mon ennemi. Ah, ah, qui te paye en repos pour pas mourir dans poto. Yon nom comme ça, chita, chita, la femme d'elle. C'est pas bon d'en gaffer ça. Oh oui! Premier ministre Ariel Henry rive Suriname. Yon journaliste qui posait le question sous dossier insécurité à cap ravager pays d'Haïti. Mes amis, réponse paye Ariel. Bye, journaliste, là, c'est payé poté. Ou bral tende, oui. Gentil proverbe créole l'a dit, Georges cherché, Georges trouvé. Et c'est sous parole, ça m'a dit, ou bienvenue. Pendant m'a invité à prendre les chaises ou chita, faut qu'aux amis, il faut pas rentrer la caille ou c'est un plaisir. M'bral ba ou tout tripotaille ça ou nan bon ti mamite, sans retirer et sans mettre. Bonjour, bonsoir tout le monde, comment nous y est? Encore une autre fois, m'a dit, ou merci. Merci parce qu'on fait une confiance pour nous informer ou. Et merci pour fidélité ou ak patience ou. Merci parce qu'on like. Merci parce qu'on abonne. Et merci parce qu'on partage la vidéo, ça fait nous plaisir en pile en pile. Encore une autre fois, si vous tombez sous channel là, pas hésiter à activer cloche de notification pour là, pour pas rater aucune vidéo, ses amis Pau Foucault. Nous t'ai quelque chose présenté ou yon petit compte aïe. Et compte ça, qui c'était, mon passé dans la cour, mon ouais tout mon à genoux. Merci à chaque fanatique qui t'a commenté, réponse sans ses poids cap levé. Un petit cric-crac pour nouveau compte nous gagner. Château accrasé par des pièces moun qui ka arrangel. Château accrasé par des pièces moun qui ka arrangel. Pas hésiter à quitter éléments de réponse par là dans le commentaire là. Ça fait nous plaisir. En pile en pile. Gros nouvelle, mon ami, bienvenue. C'est sous taxe 609 ou connecté n'importe côté où y est. Depuis où c'est haïtien, vous devez compte tout ça qui a passé en Haïti ou à l'étranger. Pas oublier abonner, commenter, liker, partager vidéo pour travailler là, capable d'avancer. Zami Pao Foucault. On va venir demander où qui est sous quoi, ni qui moun ou a prié. Mais il y a des situations trouvées où faut chercher. Faut bousquer, faut frapper toute porte pour qu'on ait qui ça cap passé. Mesdames, mademoiselles et messieurs, ça fait longtemps n'attendait qu'il y ait une prophétie pendue sous tête pays d'Haïti et c'est depuis sous président Jean-Claude Duvalier. Yon bon matin, président Jean-Claude besoin qu'on ait qui ça l'avenir dit
sous famille, sous lit, ak sous pays d'Haïti. Li réuni divers ougans dans palais national, li réuni des voyants pour vin dire qui ça qui pral passer. Mais souvent, les ougans débarqué, les on voyants débarqué, li vin dire des causes. C'est pas cause que yo fabriqué au vin dire. Mais c'est eux-mêmes qui ont pi devant passo, y a expliqué ou. Et des fois, les wap explique ou, la m'ba kache di ou, hadje la vie sa ou. Li kon difficile pou comprendre. Donc, laisse ça sou pa mette tête ou sous épaule ou, pou que ou kasse tête tourne, pou al fè des sacrifices, mande pardon. Donc, bagay yo kon vraiment, vraiment difficile pou. Mais moi-même, je m'ap gade bagay yo. Là, moi toujours dit son seul prophétie qui pa ka détourne. Son seul prophétie vrai, la privé quand même. Parce que, est-ce que Satan lui-même, dans le niveau de l'arrivée là, libre à le prier, m'a demandé pardon pour faire grâce pour le parler dans l'enfer? Est-ce qu'elle comprend, bagaille? Mais, tout ça qui dit, sous tête la vie, yon citoyen, yon être humain, bon, m'pense que des bagailles que le café, qui capable bloquer mal ça, qui pendait sous tête. Eh bien, dans l'époque, sa frère et soeur bien-aimé, il y a un jeune journaliste qui relait Hardy Jean Gardy. Donc, à l'époque, il tape travail. Et, dans la majorité, gros spectacle, ça, yo, il te compte toujours à le participer, à le faire reportage, etc. Jou ça, qui te gagne une grosse cérémonie qui tape faite en dedans palais national. Eh bien, qui ça qui pral passer? L'elle rive devant, il était dans vingtaine ni. Il y a une grosse autorité qui dit comme ça, ou pas qu'à rentrer, non? Bagay ça trop pour la joue. Ou pas qu'à rete dehors. Mais, à condition, les que me sorti, m'a expliqué ou tout ça qui t'est passé. Donc, effectivement, les que séance n'a fini, autorité ça qui te dit rete dehors, immédiatement séance n'a fini, m'a capable d'expliquer ou, li kebe promesse li, l'el soti vrai, li explique l tout bagay. Mais à condition, tout autant Duvalier vivant, pi go jam répéter bagay comme ça. Tout autant Duvalier vivant, pas sorti livre sous dossier comme ça. Et bien, frères et sœurs bien-aimés, nan yon interview, te gen nan télévision Métropole, citoyen si la, gen chance explique tout détail, dit, qui va les prophéties qui déjà passaient, combien qui était et combien de temps ça prend tout pour pays d'Haïti capable de libérer. Frères et sœurs bien-aimés, mon invité vous suivre avec un pile attention. N'a pas tourné pour commentaire, t'allez comme ça. Écoutez, ces prophéties venaient de la part des gens qu'il avait invités à le rencontrer le 16 janvier 1986. Il faut dire que pendant cette période, le peuple manifestait et réclamait la chute de Duvalier. Alors, il avait entamé une série de consultations auprès de tous les secteurs. La conférence épiscopale, il avait rencontré les évêques, ensuite la conférence des pasteurs protestants, et le 16 janvier, il a invité les Ougans. Et il y avait 7 qui sont rentrés, qui sont venus le voir et discuter avec lui. Et ils sont arrivés au palais national à 9h du matin, et vers 3h, ils ont laissé le palais. Non, mais est-ce que c'était pour une séance de... comme on les appelle, une séance de cartomancie, par exemple? Est-ce que Duval et Thierry Léon ont vu un bâton 4 poulets pour dire les 4 vérités? Non. Pour dire ça, quoi le passé, c'était justement des consultations. Des consultations. À l'époque, moi, j'étais directeur général de Télé-Haïti. J'étais directeur général de la télévision privée par câble. Et j'étais dans ma vingtaine, donc j'étais aussi directeur de l'information à la télévision. Et j'étais présent, j'allais souvent couvrir ces événements. Et je savais, par exemple, que quand il voulait rencontrer les évêques, que Mgr Gagnon du Cap Haïtien ne voulait pas venir, n'était pas venu. Mgr Constant des Gonaïves non plus n'était pas venu. Et donc je couvrais ces événements. Et ce jour-là, c'était pour rencontrer des Ougans, pour rencontrer, discuter avec eux, pour essayer de comprendre et qu'est-ce qu'ils devaient faire. Et c'était pas forcément pour entendre des prophéties. Et il a été d'ailleurs étonné, selon ce que j'ai compris, pendant que j'étais pas dans la salle à ce moment-là, mais je les ai vus rentrer. Et l'ambassadeur Théo Duval, à l'époque, qui était un mulâtre brillant, intelligent, et qui était en Hollande, était rentré. Et il m'avait dit, écoutez, vous pouvez pas rentrer dans cette salle, mais peut-être qu'après, je vous dirai un peu. Et je crois qu'il a tenu promesse. C'est-à-dire, il a tenu promesse, il m'a dit plus ou moins quelques informations sur cette réunion, mais il m'avait demandé à l'époque
de ne pas les révéler. Il a dit, écoutez, si vous voulez les révéler un jour, il faudrait le faire après la mort de Duvalier, si ça arrive dans plusieurs années. Mmh. Alors, évidemment, moi, à l'époque aussi, il faut dire que moi, je ne croyais ni au Dieu ni au diable. Mmh. J'étais un libre penseur, et d'ailleurs, la plupart de mes amis... Bon, c'est parce que vous étiez jeune, peut-être. Oui, ouais, j'étais dans ma vingtaine, mais la plupart de mes amis avaient déjà dépassé 40-50 ans. C'était Roger Gaillard, qui était d'ailleurs athée. C'était Franck Etienne aussi, libre penseur, ou encore Rassoul Labuchin. Donc moi, ces gens que je fréquentais d'ailleurs, qui étaient plutôt à gauche, ne croyaient pas non plus dans aucune forme de superstition. Et moi, personnellement, comme je dis, j'étais libre penseur. Et je ne croyais pas dans tout ce qu'on m'avait raconté, mais j'avais pris des notes. Et ce qui s'est passé, c'est que des années après, j'ai découvert que la plupart des choses qu'on avait annoncées, c'est-à-dire peut-être que je n'y croyais pas, mais se sont révélées vraies. Mmh. Le 16 janvier, ils ont dit à Duvalier qu'il partirait dans 21 jours. Et s'il ne part pas, il mourrait. Mmh. Et ça s'est passé exactement 21 jours. On ne lui avait pas dit qu'il avait des possibilités d'organiser des élections ou... On lui a dit qu'il aurait dû organiser les élections avant, mais qu'il ne les avait pas réalisées, comme Ferdinand Marcos. D'ailleurs, ce nom a été cité lors de cette rencontre. Et Ferdinand Marcos des Philippines, on lui a dit aussi que dans 21 jours, Ferdinand Marcos tomberait. Et le 7 février, effectivement, le président des Philippines est tombé du pouvoir, ainsi que le président d'Haïti. Et on lui a annoncé qu'évidemment, il a 36 ans. Et à l'époque, en 1986, il avait 36 ans. Et il lui avait dit qu'il aurait dû passer 36 ans au pouvoir en tant que président à vie. Et parce que Duvalier aurait, lors de rencontres évidemment ésotériques, souhaité avoir 57 ans au pouvoir. Mmh. Il lui a dit donc que 57 ans après, évidemment, 1957, il mourrait. Et on avait annoncé ce genre de choses et qui, pour moi, paraissaient un peu bizarres. Jean-Claude Duvalier mourrait 57 ans après 1957. Après 1957. Donc ça fait 1994, non? 2014 alors? Absolument. C'est-à-dire 2014, mais après son départ. Ça veut dire qu'on espérait évidemment qu'il garde. Non, alors 1957, 2014. Ça fait pas 57 ans, non? Ouais. Ça fait 57 ans? C'est 57 ans. J'espère que je ne me trompe pas. Ouais. Ok. Donc c'est ce qu'on lui avait annoncé. Peut-être qu'on lui avait dit aussi qu'il allait mourir 57 ans après? Qu'il allait mourir 57 ans après. C'est pas ça qui s'est passé? C'est exactement. Ok. Exact. Donc, c'est-à-dire que ce qui s'est passé encore, c'est qu'on lui avait dit qu'il devrait passer 36 ans et qu'à 36 ans, il devrait partir. Donc, c'est-à-dire, on est rentré carrément dans ce qu'on appelle la numérologie avec lui. On a fait donc ses calculs. Et il y a eu donc pour moi de très drôles de coïncidences. Ça veut dire que ces coïncidences, moi, m'ont permis de comprendre qu'évidemment, je détenais des informations qu'on m'avait communiquées depuis l'époque où j'étais donc journaliste de télévision et qu'il fallait absolument révéler. Et j'ai d'ailleurs écrit un livre. J'ai un livre de 400 pages sur cette période qui s'appelle « La chute de Duvalier » et je rapporte dans ce livre, évidemment, tous ces éléments-là. Et ce livre va être publié pendant l'été. Mm-hmm. Et je crois que aussi, pour revenir sur ces prophéties qu'on avait à Duvalier, qu'on lui avait annoncé, parce qu'il avait demandé, il souhaitait savoir, mais qu'est-ce qui va arriver après lui. Mm-hmm. On lui avait dit que Henri Christophe allait devenir président de la République, il n'avait rien compris. Mm-hmm. Et qu'on lui avait dit aussi que immédiatement après, qu'il y aurait donc le général légitime, qui aurait le général Boiron-Canal, qui aurait le trait d'une femme, peut-être la femme même de Jean-Jacques Dessalines. Donc des choses codées que personne ne comprenait. Mmh. Et on a annoncé après cela qu'il y aurait... Attends, donc... Quand il a cité les noms de Henri Christophe, de Boiron-Canal et autres, est-ce qu'ici on pourrait tenter de parler de réincarnation? Pas forcément, pas forcément. Et ce serait plutôt des incarnations. Oui, pas forcément de réincarnation. Mmh. C'est vrai, par exemple, que Hertha Trouillot, on avait dit que la femme de Jean-Jacques Dessalines va devenir président d'Haïti. Hertha Trouillot s'appelait, c'est vrai, Marie-Claire Heureuse Hertha. C'est son prénom. Et elle a épousé Jean-Jacques Dessalines Ernst Trouillot. Donc, c'est-à-dire que c'est des coïncidences assez bizarres. Et que Duvalier n'avait pas compris. Duvalier n'avait pas compris au départ. Et surtout, Henri Christophe n'avait pas compris. Mais c'est vrai. Ça allait être Henri Nafi. Ça allait être Henri Christophe Nafi. Mm-hmm. Donc, c'est le prénom de Henri Christophe. Donc, qui rapportait, qui disait ça à Les Ongans ou bien Les Ongans. Il y a eu un esprit. Est-ce que ces Ongans étaient chevauchés par des esprits, par des lois, en annonçant ces informations à Jean-Claude Duvalier? Ils étaient tous possédés, selon les informations. À ce moment-là. Au Palais National. Au Palais National même. Ils étaient possédés et ils racontaient au président de la République, il y a eu un esprit qui est arrivé, et d'ailleurs, c'est ce que m'avait rapporté l'ambassadeur Duval à l'époque, qui s'appelait Olicha.
Olisha, qui s'est déclaré inspecteur général du monde des esprits dans le panthéon du vaudou. Moi, je crois que j'ai été, par exemple, en Afrique, j'ai été au Bénin, j'ai retrouvé le même Olisha dans le panthéon vaudou du Bénin. Et je crois qu'à partir de ce moment-là, donc, ces informations ont été communiquées au président de la République, qui voulait savoir, évidemment, de ce côté-ci. Et c'est vrai également que les Illuminati, ça veut dire les Illuminati de la franc-maçonnerie et de la Rose Croix, n'avaient pas été invités par Duvalier pour savoir ou pour approfondir ces éléments. Mais, disons, les éléments africains, ça veut dire les esprits africains qui chevauchaient ces personnages, auraient rapporté à cette époque un ensemble d'informations que nous avons vérifiées sur la base de l'information insolite. C'est-à-dire, l'information insolite nous a permis de faire des enquêtes, deux formes d'enquêtes. L'enquête sur les personnalités, les noms qui avaient été cités, et une enquête journalistique sur la base aussi de la généalogie, pour comprendre plus ou moins ce qui s'est passé et ce qui allait se passer dans ce pays. Quand on a dit, par exemple, quand on a dit à Duvalier en 86, et moi j'avais noté tout ça, qu'un jour arriverait au pays comme président l'instant Saint-Fort de Pradine, et il avait dit un danseur de carnaval va devenir président de la République. Et il a dit aussi que l'instant de Pradine, c'était le chef de cabinet du président Alexandre Pétion. Et il était assisté par Laurent Michel Vieux. Et après, donc j'ai regardé dans, plus ou moins dans cette enquête généalogique et dans cette enquête aussi par rapport à ce qui avait été dit à l'époque, ce qui se passe, ce qui s'est passé après. Et c'est vrai que le grand-père de l'actuel président d'aujourd'hui, c'est Monsieur de Pradine, c'est Monsieur l'instant de Pradine, le chef de cabinet d'Alexandre Pétion. D'ailleurs, le fils de l'instant de Pradine, qui s'appelait Saint-Fort de Pradine, est devenu président de la République d'Haïti provisoire en 1870, le grand-père de M. Martelly. Et quand je lui avais dit, il était même très étonné. Et je crois aussi que le chef de cabinet, assistant chef de cabinet de Pétion, qui était Laurent Michel Vieux, et c'était aussi donc l'assistant de M. de Pradine. Donc le petit-fils de M. de Pradine est devenu président de la République, et son premier ministre a été Laurent Lamothe. Et je crois qui est directement le fils de Michel Vieux. Et parce que, bien entendu, il faut prendre. La généalogie est très courte, d'ailleurs. Oui. C'est-à-dire, sur cet aspect-là, je fermerai rapidement. Mm-hmm. Quand, par exemple, on voit M. Lamothe, son arrière-grand-père, c'était Laurent Michel Vieux, le chef de cabinet assistant de M. Pétion, et du président Pétion, et évidemment, il a donné naissance à Beaubrun Vieux a donné naissance à Constant Vieux, et Constant a donné à Glaé Vieux, la mère de Laurent Lamothe. Donc cette généalogie nous prouve évidemment qu'il y a des éléments extrêmement importants dans ce qui avait été raconté en 86, est-ce qu'on avait pas alors dit que c'était à l'époque un enfant. Est-ce qu'on n'avait rien prévu pour celui qui va être le successeur de Michel Martelly? Je crois qu'aussi, ils ont annoncé, par exemple, un nom comme Lysius Félicité Salomon Jeune. Mais personne ne sait qui c'est. Mais le plus déroutant dans tout ça, c'est qu'on avait annoncé qu'il y aurait quand même un tremblement de terre. Justement, j'allais en parler avec vous pour avoir eu la possibilité de lire l'article. Et ils avaient prévu qu'il y aurait 300 000 morts ? 300 000 morts. Ils avaient annoncé le 16 janvier 1986 au Palais National qu'il y aurait dans ce pays 300 000 morts lors d'un tremblement de terre et qu'il y aurait beaucoup de catastrophes. Ils avaient dit aussi à Duvalier ce qu'il aurait dû faire. Peut-être ils avaient fait des demandes, mais Duvalier non plus ne croyait pas à tout ce qu'on racontait. Oui, c'est des raconteurs. Bon, des balivernes. Balivernes, oui. Ouais. Mais il semble qu'ils aient prévu une autre catastrophe. Ils ont prévu une autre catastrophe avec 825 000 morts. Et là, il y aurait donc trois jours, suivis de 8 mois vraiment de désastre, je ne sais pas quand. C'est-à-dire, ce sont des prophéties qui vont aller jusqu'à 2036. Donc, de 1986 à 2036. Donc, c'est-à-dire, et tout un ensemble d'éléments que j'ai rapporté dans ce journal enquête. J'étais journaliste, dans ma vingtaine, j'avais entendu un ensemble de choses qui, aujourd'hui, je me dis, mais c'est pas possible. Quand je retrouve mes notes, que je les compare, je les regarde, je me dis, écoutez, il faut absolument qu'on voit cela avec beaucoup plus de sérieux. Mm-hmm. Donc, nous sommes aujourd'hui en 2014. Et ça s'étend sur une période qui arrivera à terme en 2036, vous avez dit. Mm-hmm. Donc, nous sommes encore dans le timing. Ils ont même annoncé que en 2036, c'est-à-dire, ils avaient dit que 20 ans après votre mort, ce qu'on avait dit à Duvalier, que l'un de ses fils, parce qu'il paraît qu'il a deux fils, l'un d'entre eux se portera comme candidat candidat à la présidence d'Haïti. Ce sont des informations qui méritent d'être relues. Ok, mais est-ce qu'on ne peut pas revenir sur les bonnes choses
évoqué ou encore prévu par ces Ongans. Parce que là, on ne parle que de la mort de Duvalier, des catastrophes, 300 000 morts, ensuite plus de 800 morts. Mais Haïti, est-ce qu'ils ont dit qu'Haïti restera toujours ce pays que nous connaissons nous-mêmes maintenant, un pays pauvre, un pays, dit-on, trop riche pour être pauvre, mais pauvre quand même? Non, au contraire, ils ont annoncé une grande prospérité. Une grande prospérité après les désastres. Il y aura une grande prospérité dans ce pays, et comme au temps de Salomon d'ailleurs, Haïti est un pays riche, très très riche, au temps du gouvernement de Salomon. C'est-à-dire, d'ailleurs, on était tellement riche qu'on finançait d'autres pays, et on faisait venir, d'ailleurs, les Syriens, les Libanais, les Arabes venaient ici pour travailler parce qu'on avait du travail pour eux. Et je crois que cette ère de prospérité va revenir dans ce pays. Haïti va redevenir très très riche, et ce sera comme une perle pour le monde entier. C'est-à-dire, il ne faut pas désespérer de cela. Cependant, c'est à nous de travailler, d'être conscients et d'arrêter aussi, d'arrêter d'être pessimiste, d'arrêter de dire « Ah, il ne sait pas qu'a fait ci, ah, il ne sait pas qu'a fait ça », parce que, avec, bien entendu, c'est ce qu'ils avaient raconté aussi, qu'autant de fois que vous racontez des choses négatives, vous allez attirer le négatif. Est-ce qu'ils ont aussi expliqué les causes des malheurs de Jean-Claude Duvalier? Ah oui, absolument. Il a perdu le pouvoir? On lui a dit que, premièrement, il devait garder sa mère comme gardienne de la Révolution, car selon eux, il semble qu'après la mort de François Duvalier, le jeune Jean-Claude avait été emmené à 18 ans à l'ancienne cathédrale de Port-au-Prince, où il aurait reçu la bague de mariage de son père, et on lui avait mis ça au doigt en lui disant « Vous pouvez avoir des enfants, des femmes, tout ce que vous voulez, un harem, mais pas de mariage. » Alors il a décidé de se marier à 29 ans, et de changer, évidemment, le pacte qui aurait été signé à cette époque. Mmh. Et ceci a engendré un ensemble de problèmes, car il y avait aussi au Cap-Haïtien un certain Marcel Étienne, un Illuminati, qui avait annoncé à Duvalier que ce serait la plus grande erreur de sa vie. Mmh. Et il avait assumé et décidé par amont de commettre cette erreur, entre guillemets. Mmh. Vous avez écrit à 29 ans, Baby Doc, en 1980, aurait décidé de se débarrasser de cette bague et aurait pris la décision d'épouser son premier amour, celle qu'il rencontra sur les bancs de l'école secondaire au collège Bird. Absolument. C'est ce qui avait été rapporté à l'époque. Et pour moi, je prenais ça aussi comme des balivernes à l'époque. Mmh. Aujourd'hui, je regarde de près ces notes. Et quand je les regarde, je me sens parfois pas effrayé, mais je me sens réconforté de savoir que Haïti va devenir une nouvelle Haïti, une Haïti riche. C'est la seule information qui vous plaisait, apparemment. Je cherche toujours ce qui est positif. Mmh. Ce qui est négatif ne m'intéresse pas. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses négatives, des choses qui sont arrivées. Moi, je ne fais pas partie des Haïtiens qui désespèrent. Je fais partie des Haïtiens qui se battent pour que, justement, l'engagement pris par nos ancêtres soit respecté. Éternel papa, bagayo papiti dit tout. Non, bagayo papiti, si mieux comprendre là, nous là pour juste 2035, 2036. Bagayo papiti même, nos frères et sœurs bien-aimés. On nous en 2022. Il y a une douleur toujours. Il y a tout. Donc, nous sommes capables de comprendre. Dans l'époque, ça a été un bon gant, tout te ouais bien. Et ça, c'était un bon esprit. L'esprit n'a pas de mélange dans toute tout l'audience dans le pays d'Haïti. Je vous le dis, on poste une vidéo pour eux et pour une série de monde qui dit comme ça, bon gant, oh oui, il y a fort riche, il y a bobolette, etc. Bon. Ou ka fè moun riche, ki sa k fò pa ka fè tèt riche? Non, est-ce qu'on pa gen ti fami pou bay boul bolet sa pou la le jwe? Retire ou nan mizè, retire ou nan tout mot, jan peyi d'Haïti di, frèz et sœurs. Tout jounen ou a moun nan go mesaj li monte bling, bonga ki sa sa, meni me wom, kontakte m. Bon, jounen jodi a tellement gen ou gan sou rezo sosye son bagay a pa. L'esprit a pa ta ka arrête vre, parce que moun konnen l'esprit. Ak l'argent bagay sa ou pa mache. L'esprit ensemble avec sexe bagay sa yo pa tellement trop fauté, yo pa tellement trop collé dans la vie. Pou moun nan dou li gen l'esprit le kabou bolet à gauche à droite et puis toute journée la plume. Toute journée sur réseau social la pèsi toujours gen message sa bien écrit de ton côté. Bon, imaginons c'est dans période ça, Duvalier te réunion ensemble de Ougan. Pour dire, pour expliquer qui ça qui va le passer. Ou quand on va taper 4 ans, hein? Parce qu'on tape Duvalier, ça l'envie d'en dire, et pourtant, c'est pas ça. Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, bagay yo compliqué dans le pays d'Haïti. Bon, kounya là, pays ça là pour le délivrer jusqu'à ce que
une race ancien président, une race président Salomon jeune, hein, monter dans tête pays, laisse ça pays à vin unifié, tout bagaille pral fait. Bagaille compliqué, ou frères et sœurs bien-aimés. Non bagaille compliqué. Donc, les gros pays qui te fin indépendant, gon série de bagaille, nan fait bêtise, fait vie politique sale, n'oublie esprit yo. Donc, c'est normal pour n'a pas se mise dans l'état ça. Parce que, l'on prend pays les États-Unis, moun sa yo, yo pas jamais kate des ancêtres yo. Ge bagaille kap ge pou passe dans pays ya, fok yo konne, oui. Faut aller checker les ancêtres pour connaître qui ça a été fait. Comment ils sont capables de panier de malheur. Mais d'abord, ici, nous seulement contentés, nous courir prendre pouvoir. Et puis après ça, on est encore. Donc, courir de pouvoir, c'est une. Mais faut que nous songeons, président qui était là, qui engagement, on te prend sous tête pays. Même si on a des timons, nous qu'on a gardé. Timons, nous qu'on retenait le fond bon matin pour aller péter courir le fou. Que des mamans qui pas de café petit et puis qui a fait une interpellation créé un esprit carrément les dit esprit a des pour bam tel petit pour faire tel bagaille pour là qu'elle fin gè petit li eh bien ça te dit esprit a li pas respecter le kounya ça pral agir sous ti moun ça que des ti moun ou pas konn croiser ti moun tellement désordre tant kouti démon ou pas konn qui sa grand moun ni te fait a qui de l'eau te bel. Donc ça qui compte pas c'est parfois grand monde n'a pas expliqué ti moun nan ça et puis s'entendez ya ti moun nan li même l'a passé misère de même gon série de gros sacrifices qui fait pour pays d'Haïti gon série de gros esprits qui te relè donc nous pas respecter ça n'te di ensemble avec yo nous humilier yo nous mépriser yo et puis journée jodi ya gardez nan ki ça n'tombe. Bon, on t'a souhaité temps passer vite et puis pour nous tomber dans Haïti li douce là. On comprend pour pays à reprendre normalement pour que l'économie est capable de relever pour que l'autre nation capable de respecter nous tout. Donc l'essentiel c'est travail pour nous travail. Mesdames, mademoiselles et messieurs, insolite nous pour journée aujourd'hui hein. Son bagage extraordinaire. Hein? Pendant on va ramasser cadeau pour la mariée. Oui, son mariage mal suivi, frères et sœurs bien-aimés, j'en ai regardé l'image ça. Pendant qu'il a ramassé cadeau pour la mariée, il a passé corbeil, il a ramassé l'argent. Et puis, il y a une femme qui saute côté le sorti, non, panier qui était dans mes monsieur, il déposait un petit bébé. Ça, c'est cadeau le fait, monsieur. Hein, il déposait un petit bébé, il baille monsieur un petit bébé. Ah, il cadeau le fait, bon. Mais peut-être, il a connu madame Maria, pas qu'à faire petite. Il baille un petit bébé. Aïe, 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 donc. Ou même qui femme qui t'a dans position ça, pendant wap marié carrément, n'est-ce pas que j'aime d'où li gen petit de yon? Li de toujours dit ou li fidèle ensemble avec ou li pas gen aucune autre fille? Et puis, pendant yon ramasse l'argent pour dans l'église là, se gado gado ou l'autre femme vini, li dépose un petit bébé. Ou mi se gado gado ou l'autre femme vini, li campe nan prête porte la par en bas et puis il dit, al jeune papa ou. Qui sont tap fait? Est-ce que, ou pas t'ap marié encore? Est-ce que ou t'ap continué vivre ensemble avec nègla? Est-ce que t'ap continué vivre dans plaçage ensemble avec nègla? Est-ce que t'ap sorti avec oui je suis marié et pour le meilleur et pour le pire ensemble avec l'an dans l'église là? Est-ce que ou t'ap commencé battre nèg ça depuis l'église là? Pas hésiter, quitte commenter par ou, dis-nous qui ça ou t'ap fait. Frère, c'est ça bien-aimé, nouvelle ça a choqué la République. Ministre Justice la Berto Dorsé, selon information qui arrive joindre nous, débarqué dans ville au Cap. Rivé au Cap et puis il allait dans un restaurant La Caille. Un si bel restaurant, un bon petit bagay, femme au Cap, I love you so much. Non, yo kon dis de wet yo. Ça, pas de menti là-dedans. Eh bien, qui ça qui passait? Rivé dans un restaurant, il y a deux citoyens qui ont gardé Ministre Justice là. Y'a gardé, donc, son autorité qui sorti Port-au-Prince, faut m'ka gardé, faut m'ka étudier. Ça veut dire, si m'contre mini-justice, là, pour m'ka gardé l'anje. Et même, non, corruption, ensemble avec ministre, là. Ça que fait m'ka gardé dans yeux, là. Ministre, ça que fait ou pas gardé dans yeux, s'il vous plaît, hein. Non, faut ministre, dis nous, qui ça que fait ou pas gardé dans yeux? Avec depuis, au gardé dans yeux, ou suspect? Mais non, au
contraire, c'est ministre qui pas supposé garder mon dans yeux. Pas c'est ministre. Tu te souviens? Ou fait n'importe 6 mois en prison pour dossier drogue. Mais moi, je n'ai aucun dossier sous dos, ça que fait m'a garder dans yeux. Et le pire, dernièrement, vous fait changer nom. Vous changez nom carrément dans l'archive nationale, tout papier net. Oui. Et puis, quand il y a là, moun pa ka gado dans yeux. Ça que fait moun pa ka gado dans yeux, ministre, expliquez-moi. Et quand ça grave là, frères et sœurs bien-aimés, côté dents pourri de force sous mon ennemi. Plus passé 2 semaines depuis bandi, ils ont pris paquet en otage. Jusqu'à présent, ministre n'a pas ka gade ti monsieur dans yeux, non? Hein? Li pa ka pren aucune décision contre ti monsieur pour dire ti monsieur posez-nous. Retirez quoi nous là, la pa la nous pour bay ti monsieur mon impiècio. Pas chan mon décision qui capable prend. Pas chan mon réponse qui bay. Et puis kounya là, c'est nan non pour al faire sort ou contre l'esprit moun. Frères et sœurs bien-aimés, en retendez audio ça, comme ça nous va comprendre pour qui ça ministre là mettez ti monsieur dans garde à vue. Je suis madame la caisse pour nous informer. Nous devons me commissaire police là, dans l'autre monde là. Après ça? Après ça, nous parlons. Avec les gens qui ont fait des blagues, puis. Monsieur, son négoci. Mais dans la parole, bébé, elle est sur nous, monsieur, parler là. C'est pour ça. Je ne sais pas si je suis là. On a débuté d'un monsieur forcé pour me mettre code téléphone. L'entraîne d'un photo, il garde des photos. L'entraîne d'un message, il garde des messages. On t'a fait photo à ministre? Non! Pour que ça, il veut mettre mon téléphone là. Tu vois, c'est un bas de monde. Pour que ça, c'est ça, qui est complet. Mais qui motive l'arrestation, là, tu arrives sous l'autre? Quand on a un pita, c'est le salaire, nous, il veut là, nous, demander nous, est-ce que nous, il veut nous, il veut nous, il veut nous, il faut chef. Bon, c'est un comment le c'est un grand chef qui est qui vient mettre mon téléphone. On est après de me dire ça, ma guéronie. On est après de me dire ça, quoi, ça passe. De la rare, on voit ça. Il dit, fais pas que si on veut, c'est la rue. Il dit, comment tu es, on va dire, on va dire, on va arrêter. Et puis, pas pour la dame, il faut que je vous dise.
Eh bien, ok, ministre, pas de problème, non? Et ça que les dents pour les forces sous bonne nuit. C'est où que t'as supposé cacher, puis qu'on y a là, c'est même ministre qui m'a remonté pour t'as gardé dans les yeux. Pour t'as gardé, ça veut dire que ça ou pas gardé dans les yeux. C'est la dictature. Pas gardé, monsieur, dans les yeux. Ou quoi, Zariel, pas gardé dans les yeux, mais c'était tout aller. Pas gardé dans les yeux, sous gardé dans les yeux, le camanchon. Bon, si nèg yo ka fè chimè kòche a président, et ou même, on sep citoyen. Si nèg yo ka nan drogue après ça yo changé non yo, et ou même sep citoyen, yon passe sou an gwo yon détail. Ça veut dire la côté monsieur sa yo, yon pas passé là du tout. Zeb pas poussé. Côté autant de yon mab nan gouvernement actuel là. Nan yon zone ou même se bay zone sa blanche, pas arrêté là. Yo ka élimine nan n'importe moment. Attends. Comment t'es qu'à comprendre pour mini justice son côté pour y'a pas qu'à garder le dans les yeux? Eh ben, mini justice sont même son psychopathe. Non, expliquez-moi. Mini justice ou frère, c'est ce bien-aimé. C'est moun t'es capable de dire, population t'a supposé, waouh, gardez ministre là. Son, bon travail, ministre. Gardez nos paysans t'a supposé, bon côté, wap manger sans m'avoir offri ou à gauche, parce que wap fait un travail extraordinaire dans le pays. Moun qui mérite justice ou pas justice. Ça qui mérite prendre prison, mettez-vous dans prison. Gardez nos gon respect, gon qu'est content. Nous rappelons-nous dernièrement, les que, eh bien, commissaire Muscat est rentré dans l'église là. Pendant fait patronat là ou pas gentil moun yo content mes amis gardez commissaire gouvernement mes amis gardez mais qu'est-ce qui muscadé oui wow! Yo content yo senti que yo senti en sécurité dans l'église là yo senti yo pas peur rien parce que présence muscadé seulement qui en dedans l'église là yo senti yo rempli même si prêtre là pas dit rien mais ouais yo senti yo satisfait mais pour mini justice débarquer en côté peut-être yo gardé le danger seulement. Il fait marine nèg maintenant dépôt. On va traquer pour la vécaïté par Boris. Mesdames, mademoiselles et messieurs, bienvenue dans Haïti, la République des coquets, et c'est celle volée au caprété. Notre cher premier ministre Ariel Henry quitte le pays d'Haïti, là, les Suriname, là, il participait dans la 43e réunion, donc, tout membre gouvernement, CARICOM, yo. S'entendez, hein. Gen yon journaliste qui posait premier ministre la question, sous dossier insécurité à cap ravager pays. Eh bien, premier ministre répond, cause insécurité, c'est parce que la police et la justice n'ont tete langue ak bandi. Si la justice et la police n'ont tete langue ak bandi, premier ministre Ariel Henry, pour qu'ils soient pas révoqués chef police là? Pour qu'ils soient pas révoqués ministre justice là? Si la justice ensemble avec, attendez bien, oui. Si la justice ensemble avec la police dans tête et langue avec bandit, pour qui sont qu'aimé, pour qui ça est au la PM? Non, c'est ce qu'on fait surtout contre l'esprit, moun. Moun qui mène justice là, ancien drogue dealer, avocat ou avocat, et Dimitri Vob. Mais non, PM, pas qu'à comprendre. PM fume depuis n'a soit, attendez pas la tête ou remplie dans bail, moun, yon. De quoi l'arrivé pour dire exactement. Mais qui problème pays d'Haïti gagné? Et pour comment yon te capable de jouer une solution parce qu'on connaît nous là, nous pas régler. C'est moun qui a fait pour nous. Mais l'arrivée dit que ça c'est la police et la justice qui n'ont été langue à grandi. Pour qu'ils ne soient pas révoqués, chef police là. Révoqués, mini justice, ils ont quitté au live pour dire c'est eux-mêmes qui n'ont été langue. Mais où est la responsabilité, monsieur premier ministre, à la traque pour la vécaïté? Ou dans le pays d'Haïti? Mesdames, mademoiselles et messieurs, bienvenue dans Haïti, pays spécial. Haïti spécial, vrai. Bagay la tellement difficile, mais kabrit la gen nan monte bra. Moko chom sezi kon sa. On regarde des vidéos sa ensemble. Mes amis, wo. Nos frères et sœurs sezi, m'sezi. Mais kabrit nan monte pied bra kounya. Yo te kon souvent dit, sak de fochin kabrit à la chasse. Et même rappelé m'don ti histoire. Chat qui t'a monté cabrit, monté pied bois, de quoi l'aile ou chien pour le kakouri. Eh bien, qui ça qui passait? Chat vini premier jour, fait cabrit lever deux pieds, le met en l'air. Il commençait à faire cabrit lever de l'autre pied, yo. De yo, pour que li capable monter pied bois. Oh, oh. Qu'on y a là, cabrit qui prend le contrat chien. Il dit, chè kon sa, ouais, papa. L'autre semaine, non, là, ma fin fò net, net, nan ville, là. L'autre, c'est wap ka kouri de m, pou kembe m, ma monte pied bois.
Quand il a chien dit comment on peut monter pied bois, cabri tout qu'on monte pied bois, il dit ah ah, l'entraînement la frère, l'entraînement chat cap montrer monter pied bois, dit vrai chat. Il dit oui, il dit mais OK, pas gain problème. Quand il a lâché aller côté chat, il dit m'prend nouvelle yo oui. Chat dit qui nouvelle. Il dit oui, après monter cabri monter pied bois kounia. Ou tellement pas gain travail pour faire ces cabrit ou montrer pour le monter pied bois. M'bat jambe pas sauter dans l'état ça, non, mon chè. Chat tellement nerve, li allé kote kabrit, li dit kabrit kon sa, ouais, c'est raseta. M'pa montre ou monte pied bois encore, non, parce que kote sa nou getan fait là, lang ou tellement long, ou gon bouche kabrit, ou même ton kabrit, ou getan, ou al pale, bien, chien vin pote m'plet, malheureusement, m'pap ka continue montre ou monte pied bois encore parce que moi, si m'fin montre ou ap vin trop pour moi. Mais moi, même m'pap ka parle ensemble avec ou. Mesdames, mademoiselles et messieurs, c'est depuis là ça. Chat tout suspend montre kabrit monte pied bois. Donc, ou capable ou par son côté ou on kabrit qui levait deux pieds seulement pour le capable prendre un branche bois pour le manger. Mais, fin monte pied bois, li pas capable. Donc, moral histoire, c'est que, lè que goun moun k ap fon bagay pou ou, lè que ou gen ou activité ou ap entreprendre, avant même ou commencer parler fò fin meto chita. Gen des bagay que ou ap fè dans la vie fò suspend marcher parler, la bloquer. Gen des bagay ou moun ap fè pou ou fò suspend marcher fè jolè. Ou ka bloquer délivrance. Donc, eh bien mes causes ou frères et sœurs, kabrit k ap monte pied bran nan pays d'Haïti m saisi bagay sa. Avè dit là ouais. La gayo extrêmement compliqué. J'aime toujours aimer dire Haïti dictature, l'appel des sentiers, Haïti démocratie, la république des coquets, c'est le volet au caprété. Moi, je vous remercie parce qu'on t'a suivi avec attention. Merci pour fidélité ou patience. Moi, je vais quitter ou n'aura pas manger parce que c'est lui-même seul qui est capable de protéger ou bas ou la vie avec la santé. Bonjour, bonsoir tout le monde. Non pas moi, c'est Foucault et n'a pas croisé dans l'autre vidéo. Au revoir à la prochaine. Mouah. Bisous, bisous. One love. M'ramasser paquet, moi. Cause, habitant pas misé la ville. M'bralé. Mais, ma p'kito n'a bra papa bonji, parce que c'est lui-même celle qui est capable de protéger ou, bah ou la vie avec la santé. Bonjour, bonsoir tout le monde, n'a croisé dans l'autre vidéo. Au revoir.